Aujourd'hui, on va parler de deux boxes, la box Blissim et la box Emma et Chloé. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de deux boxes, la box Emma et Chloé pour commencer et la box Blissim ensuite. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo parce que la box Blissim en général pour l'été, c'est une box qui va compacter un peu juillet et août, comme beaucoup de box en général. Les box, ils vous font un condensé de juillet et août, comme ça vous n'avez qu'une box en juillet et pas de box en août. Donc elle a l'air plutôt pas mal. Alors j'ai oui dire des petites choses, mais on en parlera après. On va commencer par la box donc, Emma et Chloé. Donc j'ai reçu ces deux box samedi et puis voilà. Alors la box Emma et Chloé, j'ai déjà enlevé le carton, mais j'ai tout ça. Donc on a le certificat d'authenticité comme d'habitude. Je vous remets le lien d'Emma et Chloé en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Vous savez que moi les bijoux Emma et Chloé, je les adore, j'en ai plein et pour moi c'est des superbes bijoux. Ensuite on a un petit flyers pour Joe. JHO, ce sont des protections hygiéniques un petit peu plus respectueuses de l'environnement, etc. et pour la femme, qui sont plutôt pas mal. Moi je les avais déjà testés, j'ai bien aimé. Il y a un code promo du 1er juillet au 31 août qui est Emma et Chloé 15. Je vous le mets là pour celles que ça intéresserait. Faites un screen si ça vous intéresse. Donc je pense que ça vous donne 15% sur le site. C'est pas noté mais je pense que c'est ça, hein. Il y a un 15 donc normalement ça doit être ça. Ensuite nous avons un autre flyer, l'atelier Emma et Chloé Cusmity, parce que comme vous avez peut-être aperçu, on a un paquet de Cusmity dans la box. Donc voilà, ils nous disent que c'est l'infusion Aqua Summer, donc c'est celle-ci. Donc je trouve ça plutôt pas mal parce que les Cusmity en général moi je les aime bien. Voilà, donc c'est l'infusion Aqua Summer, pêche, hibiscus, saveur abricot, il y a 20 sachets à l'intérieur. C'est une infusion sans théine et c'est bio. Moi j'adore les Cusmity, franchement, je vais l'ouvrir pour le sentir parce que j'ai hâte de voir ce que ça sent. Et les infusions à l'hibiscus, moi je les adore. Donc ça devrait me plaire, je pense. Alors on ouvre. Alors attendez, est-ce que c'est mis... je vais juste entrouvrir un petit peu le paquet. Oh, ça sent trop bon. Ça sent trop trop bon. Ça sent vraiment la pêche et l'hibiscus. Moi j'adore. Donc franchement ça va être cool. Infusion. Alors est-ce que c'est plus à froid ou à chaud? Qu'est-ce qu'ils mettent? À déguster chaude ou glacée. Donc écoutez, c'est cool. Moi j'aime bien. Pour la sirotant version glacée, passez en mode summer. Remplissez votre carafe de 60 ml d'eau frémissante. Plongez votre sachet spécial carafe. En attendant que le mélange infuse 7 minutes, détendez-vous et ajoutez une grande quantité de glaçons et voilà, c'est prêt. Ok, et pour déguster chaud, c'est bah, normal. Hein. Et vous avez un code réduction de 10% avec le code EMMACHLOÉ10 sur le site Cusmity pour celles que ça intéresserait. Donc pareil, je vous mets le petit truc, vous faites le petit screen et on n'en parle plus. Donc voilà, pour ça... Et on a bien sûr le petit document, le petit livre Emma et Chloé de juillet, donc la box numéro 25 déjà. Le temps passe vite, je me rappelle les toutes premières box Emma et Chloé que j'avais commandées qui étaient pas terribles parce que les bijoux ne correspondaient pas et maintenant franchement moi j'adore. Donc c'est la Summer Box, non il y a une édition limitée Summer Box, une box d'une valeur de plus de 150 € au prix de 49 €. Ok, donc il y a des produits de beauté, il y a un bijou dedans. Voilà. Et il nous parle du bijou de ce mois-ci. Donc je vais tout simplement vous montrer le bijou. Alors on a reçu ça dans une petite boîte comme ça. Moi j'aime bien parce que je m'en sers pour ranger un peu les bijoux et tout. C'était dans un petit pochon, mais je l'ai déjà regardé, je dois vous l'avouer. Voilà, petit pochon Emma et Chloé. Et le bijou, il est ici. Alors attendez, parce que je l'avais démêlé quand je l'ai reçu, je l'ai reposé dans la boîte, j'aurais peut-être pas dû. Voilà, donc c'est un collier ce mois-ci, le mois dernier c'était un bracelet qui était très 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 joli, je pense qu'il a beaucoup plu parce qu'on n'en a pas vu du tout sur Vinted. Et là c'est un collier qui est magnifique également, donc c'est un collier double rang. Alors attendez, on va essayer de faire un focus, voilà, double rang comme ça. Donc est-ce que, attendez, est-ce que les deux mailles sont pareilles? Non, vous avez une maille... Alors, hop, voilà, vous avez une maille beaucoup plus simple ici et une maille qui est un petit peu plus travaillée, vous voyez, aplatir certains endroits pour le deuxième. Et en bas, vous avez une petite turquoise comme ça, c'est magnifique. J'aurais pu le mettre aujourd'hui parce que j'ai du turquoise dans mon truc, c'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup et vous avez toujours la petite pampille Emma et Chloé. Il est bien au niveau taille, franchement, je l'ai essayé, il n'y a pas de souci. Donc franchement, ce petit bijou, il est trop mignon, je valide comme d'habitude pour Emma et Chloé. Moi, j'en suis très contente. Donc, ils nous disent que c'est le collier Edelia
de la collection Les Hédonistes et il est au prix de 65 euros sur le site Emma et Chloé. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos pour celles que ça intéresserait. Donc ils disent que c'est une création bohème et raffinée issue de la collection Les Hédonistes inspirée du thème ethnique. Sur sa chaîne la plus longue, découvrez une petite pierre nacre ou turquoise, donc moi j'ai reçu la turquoise, en forme de poire sertie de billes. Une pièce délicate, parfaite à porter tout l'été avec un léger décolleté, une petite robe ou encore un top en crochet. En acier inoxydable argenté ou plaqué à l'or fin par ionisation. Et Delia vous accompagnera tout au long de la saison estivale, même dans l'eau. Donc ça c'est trop cool. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et après qu'est-ce qu'on a là-dedans d'intéressant? Bah écoutez, vos avantages abonnés. Donc quand on est abonné à la box, on a moins 20% sur les colliers pour vous prêter au jeu de toutes les accumulations. Moins 30% sur les box cadeaux. Une box précédente achetée, une box offerte. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir un petit peu tout ça. Il y a des très jolies photos. J'aime beaucoup. Donc voilà pour la box Emma et Chloé. De juillet, nous allons passer à la box Blissim qu'on a reçue dans un carton et là-dedans. J'étais un petit peu... ouais, je me suis dit, ouais, il n'y a rien d'estival là-dedans, ça m'a fait un peu... Voilà, donc il y a tous les produits qui sont dans cette pochette. Donc, il y a un petit flyer... Alors, il y a le petit document avec toutes les inscriptions pour les produits et nous avons ce petit flyer qui nous dit... On se voyait déjà notre maxi-cabas sous le bras parce qu'il y avait un maxi-cabas de prévu qui était plutôt sympa, je vous mets une photo... Voilà, ils disent on a fait tout notre possible, même les planètes ne se sont pas alignées comme on le souhaitait. Notre maxi cabas adoré est actuellement coincé loin de nous en croisière sous le soleil de la Méditerranée. Plutôt que de vous faire attendre, trop attendre, on a décidé, non sans tristesse, de vous envoyer dès maintenant vos 10 produits summer. Sans lui, il était impossible que vous partiez sans votre routine de l'été. Soyez rassurés, votre maxi cabas arrivera chez vous en septembre avec 5 produits canons, histoire d'ensoleiller votre rentrée. Signez une team Blissim, sincèrement désolé. PS, pour nous faire pas donner, on vous a prévu une attention au dos. Donc l'attention au dos, c'est pour vous redonner le sourire, profiter de 15 euros offerts sans minimum d'achat avec le code SUMMERLOVE. De quoi faire vos dernières emplettes avant vos congés ensoleillés, etc. Offre réservée aux abonnés de la box de l'été, valable jusqu'au 10 septembre 2021. Donc je vous le mets, mais je pense que si vous êtes abonné à la box, vous l'avez reçu, donc vous savez. Donc voilà pour ça. Et ensuite nous avons le petit flyers qui nous dit donc ciel bleu sans nuages, mer calme et douceur de vivre, l'été est là et cette année on compte bien en profiter. Oui, enfin l'été dans le nord, on se demande encore où il est hein. À l'horizon du bleu à perte de vue, mais dans lequel on rêve de plonger. On prend le temps de ralentir, de faire le plein de soleil, on profite de ces 2 mois magiques. D'Ibiza à Santorin, on embarque son grand cabas couleur mer qui accueillera tous vos essentiels de l'été. Bon bah pour embarquer le cabas, hein, on repassera en septembre, donc il servira l'été prochain. Et pour voir le bleu de l'été, pour l'instant, heureusement que je suis allée en Corse le voir parce que dans le nord, le bleu de l'été il est loin. Alors je vais vider tous les petits produits ici. Alors franchement, cette box est plutôt bien remplie. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits. Donc premier produit, je vais suivre le petit truc, hein, ce sera plus simple. Nous avons un vernis à ongles de la marque Le Rouge à Ongles. C'est la teinte, je ne sais pas, Paper Court, je crois que c'est ça. Donc c'est ce vernis là. Donc voilà, c'est un vernis un peu rouge orangé qui fait un peu couleur piment. Il a l'air sympa. Il a l'air assez fluide. Il est mignon. Mais bon, c'est pas forcément un truc que... Moi, vous savez que sorti des vernis Dior, j'ai un peu de mal. Donc c'est le vernis Pop-in Court. Ok, Pop-in Court. Donc on pouvait le recevoir en rose, en lilas ou en rouge. Donc moi j'ai reçu le rouge. Il est au prix public de 19 euros pour les 8 ml. Donc ça c'est un vernis qui vaut 19 euros quand même. Et ils disent que pour une tenue impeccable, il va appliquer la base protectrice, 2 fines couches de vernis à ongles et le top coat, bon, normalement quoi. Donc le Pop-in Court, ils disent que c'est un rouge flamboyant pour celles qui osent se faire remarquer avec brio. Et c'est un vernis qui est vegan, made in France, à base de plantes et promet une tenue longue durée. Bah écoutez, pourquoi pas, à essayer, pourquoi pas, mais je sais pas. Je sais pas si je vais le garder ou pas celui-ci parce que finalement, c'est pas forcément le style de produit que j'aime. Enfin, pas le style de produit que j'aime, mais la marque de vernis que j'aime. Voilà. Ensuite, nous avons ce produit de la marque Cadalis. C'est un lait corps nourrissant SOS à la banane jaune et beurre de karité.
à 99,5% d'origine naturelle et c'est vegan. Donc c'est ce produit là. Hop. Voilà. Donc ça c'est toujours bien les baumes nourrissants, moi ça me va très bien. Je vais désoperculer ça et voir un petit peu la texture qu'il a. Oh, mais dis donc, il m'a craché dessus. Il a l'air très épais. Je ne vais pas en mettre trop non plus. Hein. Hop, ça a l'air d'être un truc assez épais. Ouais, c'est très épais. Je pense que c'est très nourrissant et ça peut être bien pour là cet été. D'ailleurs, je vais remettre sur mes jambes parce que... Oh, ça n'a pas d'odeur particulière par contre. C'est dommage, je pensais que ça allait sentir la banane. Donc c'est un lait corps à la banane, est idéal pour garder une peau douce et souple toute l'année. Ingrédient clé, l'action anti-âge du bioactif de la banane jaune régénère, répare et raffermit la peau. Du beurre de karité pour réparer et de l'huile de rosier muscat pour réduire les taches pigmentaires. Bon écoutez, c'est plutôt pas mal. Le prix public en format 100 ml, qui est ce format, est à 17 €. Bah, c'est plutôt pas mal franchement. Et c'est une compo 100% vegan. Et c'est vrai que c'est pas gras après, donc ça c'est cool. Bah écoutez, ça je suis très contente, ça sert toujours à les corps nourrissants, donc ça on dit oui. C'est pas mal, pour l'instant on a deux full size qui ont des prix quand même assez sympathiques. Ensuite, nous avons un produit de la marque Respire, qui est celui-ci. Hop, je vais essayer de vous le mettre droit parce qu'après vous me dites tu les mets pas droit. Moi j'aime bien les mettre comme ça, ça passe dans mon écran en fait. Ça vous fait de la gymnastique du coup. Voilà. Alors, c'est le gel crème naturel, 98% d'origine naturelle, tube recyclé et recyclable. Donc c'est une pour les peaux normales à mixte. Il y a de l'extrait de millepertuis, de l'huile d'amande douce, de l'acide hyaluronique. Donc qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Gel, grâce à ce gel crème hydratant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, vous n'aurez plus le visage froissé à votre réveil. De l'extrait de millepertuis, de l'huile d'amande douce et de l'acide hyaluronique pour hydrater en profondeur et apporter de l'éclat. Votre peau retrouve tout son éclat, vous voilà en bonne humeur pour démarrer la journée. Donc c'est un produit qui est au prix de 15,90 € pour un format 50 ml, donc c'est le full size. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. J'aime bien moi tout ce qui est gel crème hydratant, enfin des crèmes dans ce style-là. Donc moi ça me va très bien pour le visage. À tester, en plus la marque Respire je connais pas forcément et je dis toujours hein, testez d'abord sur vous avant de mettre sur votre visage, ça évite les allergies, c'est jamais. Ah ça sent très bon, petite odeur très douce, très sympa, donc écoutez moi je dis oui, c'est bon, c'est validé. Ensuite nous avons ce produit qui est une crème solaire indice 50. Very water résistante, donc très résistante à l'eau, 99% d'origine naturelle, les UVA, les UVB, c'est du made in France. Alors c'est marrant parce que c'est du made in France et tout est écrit en anglais, cherchez l'erreur. C'est la marque Eco Sun Shield Invisible ou c'est la marque 71. Alors attendez, on va regarder ça. Donc on va regarder ça, ce sera plus simple. Donc là on a un format 50 ml, le format 50 ml fait 22,90 €. Donc c'est la marque 71%, c'est la crème solaire Eco Sun Shield transparent. Et c'est pour le visage. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Donc on nous dit, vous avez entre les mains la crème de la haute protection naturelle sans nanoparticules. Sa particularité, ses filtres minéraux et sa résistance à l'eau qui respectent l'épiderme et l'environnement. Et en font un excellent bouclier SPF 50 contre les UVA et les UVB. Elle s'utilise sur tous les types de peau, même grasse et mature. Faites chauffer la texture et massez jusqu'à ce que le voile blanc soit à peine perceptible. Ok. Ok, bah écoutez, à tester, hein. Mais c'est plus pour le visage à première vue. Moi, j'en mets de la crème solaire sur le visage, mais c'est pas non plus ce que je fais le plus. Je sais, je devrais le faire. Oh oui, c'est assez gras quand même et c'est assez blanc. Ouais. Ouais, ça reste bien blanc quand même. Je suis mitigée. Mitigée pour ça parce que l'air derrière, ouais, vous voyez sur ma main. Ça reste assez blanc quand même. Bon après il faut se maquiller derrière mais ouais. Je suis pas, ouais, mitigée sur ce produit là. Ensuite nous avons ce produit. Donc je vais l'ouvrir parce qu'il y a une petite... Comment on fait? C'est là. Hop, il y a un petit truc protecteur là.
Ah d'accord, quand on enlève, on n'a plus rien. Ok, bon, c'est pas grave. Il y a... Alors, ils sont bons. Ils mettent les instructions. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, des petites lignes noires sur le packaging qu'on enlève. Bref, c'est pas méchant. C'est de la marque MC... MCO Beauty, je pense. C'est le Peachy Gloss. Donc, je pense que c'est ça le nom de la marque. MCO Beauty. Et c'est le Peachy Gloss. Donc, qu'est-ce qu'on nous en dit? MCO Beauty, c'est une huile à lèvres hydratante Peachy Gloss. On avait Peachy Babe ou Peachy Nude. Non vendu sur Blissim, donc je pourrais pas vous dire son prix. C'est un format 4 ml. Un gloss brillant à la senteur et au goût gourmand de pêche. Sa formule est enrichie en huile de fruits naturels pour adoucir et hydrater les lèvres en profondeur. Texture non collante qui s'applique très facilement et apporte une explosion de couleur dès la première couche. Il est vegan et cruelty free. Je connais pas du tout cette marque. Ouais, ça a une petite odeur de pêche. Ça m'a coupé. Petite couleur pêche également, il est ici. Vous voyez, c'est mignon. C'est mignon. Bah écoutez, moi j'aime bien ce style de petit gloss. Moi j'utilise beaucoup celui de By Terry à la rose. Donc ça, on dit oui, ce sera toujours utilisé. Ensuite, c'est quoi? C'est ceci. Donc on a un produit de la marque Speciology. C'est un shampoing réparateur protéines naturelles de kératine et huile d'argan. Répare, renforce, booste la brillance. Et c'est un format 60 ml, donc c'est un petit shampoing. Écoutez, ça c'est bien pour partir en week-end ou en vacances. Donc je pense que je vais prendre celui-ci. Shampoing kératine huile d'argan. Le format vente fait 500 ml et vaut 28,90 €. Là on a une miniature de 60 ml. C'est un shampoing réparateur qui aide vos cheveux à retrouver volume et brillance. Ah ben ça c'est plutôt pas mal, c'est tout pour moi ça. Ce qu'il fait, il répare vos cheveux en profondeur, il apporte l'éclat qu'il mérite, caractéristique, riche en protéines naturelles de kératine pour gainer, réparer et renforcer les longueurs en huile d'argan, pour nourrir et apporter de la souplesse. Son plus, il protège la fibre capillaire de la chaleur et des agressions extérieures. Écoutez, c'est parfait. Parfait, parfait. Est-ce que ça sent bon? Ça sent très bon. C'est une odeur un peu fleurie, qui fait penser un peu à de la lessive, c'est plutôt pas mal. Mais écoutez, ça, on dit oui, ce sera utilisé. Ensuite, on continue, pas mal quand même cette box, hein. Un produit de la marque Amika que je connais, que j'ai déjà utilisé. Donc là, on a un masque nourrissant, le Soul Food d'Amika, qui est comme ça. Donc c'est un format, normalement ça doit être marqué, arrête de te broyer les yeux Hélène. 30 ml et le format vente fait 250 ml et vaut 33 €. Donc c'est le masque nourrissant Soul Food de la marque Amika. Ils nous disent que c'est un petit bijou. Ce petit bijou est la dose d'hydratation intense que réclament vos cheveux. Il n'alourdit pas les longueurs et ne graisse pas le cuir chevelu. Des oméga 3, 6 et 9 qui ressourcent et hydratent votre crinière, ainsi que du précieux oméga 7 pour booster la production de collagène. Appliquez des racines jusqu'aux pointes, laissez poser 2 à 3 minutes, rincez abondamment. Mais écoutez, plutôt pourquoi pas. Ce sera attesté. Surtout que mes cheveux vont beaucoup, mon cuir chevelu va beaucoup mieux en ce moment. Donc je me repermets d'autres choses que les shampoings de pharmacie. Et ça sent très bon. Donc écoutez, pourquoi pas à tester. Bon après on va pas faire 50 masques. Hein. Si vous avez les cheveux très longs, je pense que ça fera qu'une utilisation. Ensuite, nous avons de la marque Luxeol, un après-shampoing fortifiant qui redonne force et vitalité aux cheveux avec de la protéine B5 et de la vitamine PP. Donc c'est ça. Luxeol, je crois que c'est des produits vendus en pharmacie, non? Je me trompe? Je me trompe ou je me trompe pas? Je ne sais pas. C'est un 75 ml. Ah, c'est marrant parce qu'ils mettent miniature de 50 ml et moi j'ai reçu un 75. Le format vente fait 200 ml et vaut 11,20 €. Ils mettent vos cheveux manque de vitalité. Cet après-shampoing renforce, nourrit et prend soin de vos cheveux tout en leur redonnant vitalité. Sa formule, elle est enrichie en provitamine B5 et en vitamine PP, appliquée 2 à 3 fois par semaine après le shampoing sur cheveux rincés et essorés, répartis sur vos longueurs, etc. etc. Bah écoutez, oui, pourquoi pas. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il est operculé. Ah si, allez. De toute façon, je vais m'en servir de ces produits-là. Je veux juste sentir son odeur. Ah, ça sent très bon aussi. Ça sent le produit de coiffeur. Ça sent bon. Et non, pour finir, j'allais dire, mais non, nous avons encore deux produits. Donc l'avant-dernier produit, c'est un produit de la marque New Seed, un gommage corps, scrub et smooth à la pastèque, comme ceci. Donc c'est un format 30 ml, alors je vérifie parce que maintenant ils nous disent des trucs et puis... ouais, c'est un format 30 ml. Le format vente fait 200 ml et vaut 18,90 €. Donc ils nous disent que c'est faites peau neuve pour le printemps avec ce nouveau gommage corps qui promet une exfoliation efficace et en douceur.
De l'extrait de pastèque, l'allié fraîcheur par excellence, son parfum addictif va combler votre peau de bonheur. Ses grains ultra fins, doux avec la peau. Formule vegan à plus de 99% d'origine d'ingrédients naturels. Très bien noté sur Yuka, 93 sur 100. C'est les produits que je vais utiliser, hein, donc je me permets de tout désoperculer. Je vais juste regarder un petit peu les grains, voir un petit peu comment ils sont. Ah, ça a l'odeur de pastèque, mais un truc de malade, les gars. Alors, c'est comme ça. Vous voyez, la peau reste blanche quand même. Hein. La peau reste blanche. Ah oui, c'est des tout petits grains, comme des petits grains de sucre. Ah, ça sent très bon. Bon, écoutez, oui. Moi, je dis oui, il n'y a pas de souci. Ça me plaît bien, ça. À tester. Et puis, les gommages, quand vous allez prendre le soleil, pensez à vous gommer la peau avant de prendre le soleil. Ça aide au bronzage. Voilà. Et le dernier produit, ça, je suis trop contente. C'est un baume, les petits prodiges. C'est un baume multi-usage 100% naturel qui se présente comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est un format 10 ml. Le format vente fait 100 ml et vaut 34,90 €. Moi, j'ai déjà eu ces baumes-là et je les trouve géniaux. Petit mais costaud, ce baume multi-usage ne manquera pas de vous surprendre. Conçu pour toutes les situations et pour toute la famille, ce baume malin nourrit, adoucit, apaise et protège tout votre corps. Formule clean, sans parabènes, sans conservateur et seulement 8 ingrédients 100% naturels. Franchement, moi, je l'adore parce que je trouve qu'il est, bien pour tout. Il est bien pour les lèvres gercées. Il est bien pour les mains qui sont un petit peu sèches. Il est bien pour les coudes secs. Il est bien pour les pieds secs. Il est bien pour tout. Moi, j'en ai déjà utilisé deux en gros pot que j'avais eu dans des box et j'ai adoré. Il n'y a pas d'odeur particulière en plus dans ces baumes. C'est vraiment une odeur basique, voilà, basique sans intérêt. Je vais le mettre sur mon coude. Voilà, j'en ai pris un peu, donc je vais le mettre sur mon coude. Donc vous venez passer, c'est une huile solide en fait, si vous voulez. Donc vous venez passer votre doigt et après vous l'appliquez sur votre peau. Et franchement, c'est génial. Moi, j'adore ce petit truc. Donc je suis trop contente sur cette box. Bah écoutez, j'en suis très contente. On a de l'hydratation pour le visage. Et ça, c'est vraiment cool parce que l'été, s'hydrater le visage, c'est hyper important. On a un petit gommage pour le corps et ça c'est cool parce qu'il faut se gommer le corps avant d'aller au soleil pour que le bronzage prenne mieux. On a de l'hydratation pour le corps, ça c'est cool aussi parce que tous les soirs quand vous avez pris le soleil il faut s'hydrater, donc on dit oui. Le petit baume les prodiges c'est très bien aussi parce que ça permet de vous mettre un petit coup sur les lèvres ou sur les zones un peu plus sèches, ça c'est super. On a aussi de la protection pour les cheveux, shampoing, masque et après shampoing, ça c'est vraiment cool aussi avec des trucs qui aident un petit peu et qui protègent de la chaleur et ça c'est cool parce qu'on protège jamais assez ses cheveux en été et pourtant eux aussi ils morflent avec le sable, le chlore des piscines etc et le soleil, donc ça c'est bien. On a une crème solaire donc ça c'est vraiment bien aussi et on a de la beauté avec un petit vernis à ongles pourquoi pas pour les pieds, pour les mains et un petit gloss. Écoutez, moi je dis que cette box elle est parfaite. Donc ce que je vais faire c'est vous mettre le prix total des produits de la box ici et le prix que j'ai payé la box pour vous donner un petit peu un avis. Mais je crois franchement qu'on est plutôt pas mal. Alors normalement la Blissim c'est 13,90 €, mais je crois que pour le mois de juillet on paye le double. Donc on paye les deux box juillet août. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de produits. L'air de rien il y a quand même beaucoup de full size dans cette box. Je crois qu'on est à... Attendez, je vais regarder mais je crois qu'on est quand même à beaucoup de full size hein. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 full size dans cette box quand même. Donc c'est plutôt pas mal hein. Il y a 5 produits full size et 5 produits non full size, mais quand même qui ont des tailles quand même plutôt pas mal et pratiques à emmener en vacances. Parce que vous voyez pour les cheveux par exemple, ça c'est pas des produits full size qu'ils nous ont mis, mais je trouve que c'est cool parce que c'est pratique à emmener en vacances. Les cheveux on les lave pas forcément tous les jours, et puis les masques et tout ça on n'en fait pas forcément tous les jours. Donc ça c'est bien. Par contre l'hydratation visage et corps, c'est bien qu'ils nous aient mis des full size parce que ça permet d'utiliser tous les jours. Donc ça c'est cool. Bah, écoutez, moi je suis très contente de cette box, elle me plaît beaucoup. Donc voilà un petit peu. Est-ce qu'on a une idée de la box de la rentrée? Est-ce qu'ils nous ont fait des petits trucs ou pas? Non, par contre on a moins 20% sur tout le site avec le code BESTSUMMER pour celles que ça intéresserait.
Voilà, voilà. Bon ben voilà, je vous ai fait tout voir sur la box, j'ai encore le gommage sur la peau. Je vous ai fait tout voir sur la box Blissim et la box Emma et Chloé de juillet. J'espère qu'elles vous auront plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et dites-moi tiens si vous avez reçu les mêmes produits pour Blissim ou pas, parce que je sais que d'une personne à l'autre, les produits sont complètement différents. Voilà, plein de bisous, à très bientôt dans d'autres vidéos.